intervention aujourd'hui, elle consistait à parler du statut juridique des déplacés climatiques, des déplacés environnementaux, qui n'ont justement aucun statut juridique. Donc le but de mon intervention était d'expliquer ce que c'est un déplacé environnemental et pourquoi ils n'ont pas de statut et quelles sont les propositions qui peuvent être mises en place. Les déplacés climatiques, ce sont des personnes qui fuient leur environnement pour des raisons, qui fuient leur lieu d'habitation pour des raisons environnementales, c'est-à-dire des catastrophes, ça peut être ouragans, cyclones, catastrophes industrielles comme une centrale nucléaire, des problèmes de pénurie d'eau, des problèmes d'alimentation. Donc ce sont des personnes qui ne peuvent plus rester sur leur territoire et qui se déplacent. Ce ne sont pas des réfugiés politiques, elles ne fuient pas un environnement politique pour des persécutions liées à leurs croyances religieuses ou politiques, comme c'est le cas des personnes qui sont protégées par la Convention de Genève de 1951. Ce ne sont pas des migrants. Les migrants, ils cherchent de façon volontaire à aller sur un autre territoire pour avoir un meilleur avenir économique. Donc là, on est dans le cas de personnes qui se déplacent, et dans la plupart des cas, c'est 80% de déplacements qui sont internes. Ces personnes restent sur leur territoire et seulement quelques-unes sortent de leur territoire, et elles sortent de leur territoire parce qu'elles ne peuvent, elles sortent de leur lieu d'habitation parce qu'elles ne peuvent plus y vivre. Elles n'ont plus d'eau, elles n'ont plus le moyen de se nourrir ou de tout simplement de vivre dans un environnement sain. Il y a toujours eu des déplacés environnementaux. Si on remonte au Moyen-Âge, il y a eu des personnes qui se déplaçaient parce qu'ils ne pouvaient plus nourrir leurs bêtes, des catastrophes environnementales qui ont eu lieu. Si je pense au début du siècle dernier, il y a eu plusieurs tremblements de terre à Lisbonne, donc les personnes se sont déplacées. En France aussi, on a eu toutes les grandes crises, les révolutions qui ont eu lieu à l'origine parce que les personnes ne pouvaient plus se nourrir. Il y a toujours eu ces déplacements de personnes liés à l'environnement, mais on n'en tenait pas compte. Et ces dernières années, avec la prise de conscience des problèmes climatiques, on se rend compte qu'il y a des personnes qui fuient vraiment l'environnement par rapport à ces problèmes de catastrophes environnementales. Mais il n'y a pas de statut parce que c'est un problème politique avant tout. Comment reconnaître un statut juridique à des personnes qui ne sont pas visibles par rapport à la communauté internationale? Personne ne se déplace, mais oui, elles se déplacent, alors on fait le tour, oui, c'est des raisons politiques ou c'est des raisons socio-économiques, alors que c'est principalement parce qu'elles ne peuvent plus rester sur leur territoire. Et il faut aussi savoir comment financer ces déplacements, c'est la grande question. C'est un enjeu majeur au niveau de la crise des droits de l'homme, parce que quand vous avez 26 millions de personnes chaque année qui se déplacent, c'est 3 fois plus que des réfugiés politiques, c'est une personne par seconde. L'ONU prédit 250 millions de déplacements d'ici une cinquantaine d'années. Le dernier rapport du GIEC dit 280 millions de personnes dans les 80 prochaines années. Il y a les déplacements en France aussi. Donc, M. Galliot, ce matin, il disait qu'avec la montée des eaux dans le sud-ouest, côte atlantique, 140 000 habitations risquent de disparaître. Il faudrait bien trouver une solution pour les personnes qui n'auront plus ces maisons. Donc, ce n'est pas simplement les pays du sud, c'est toute la planète en entier. Ils peuvent porter, appuyer déjà au niveau territorial. Je parlais de visas. Donc les visas, ce sont les nations qui reconnaissent le fait de pouvoir mettre en place des visas. Mais si chaque pays, si chaque nation porte ce projet et soutient le fait qu'il faut reconnaître au niveau international, donner un statut juridique aux déplacés environnementaux, on arrivera à un statut au niveau global. Donc c'est chacun qui doit mettre en avant ce vide juridique et ces protections à mettre en place, surtout que là on a un public francophone essentiellement qui vient d'Afrique, donc il connaît ces problèmes de sécheresse, de pénurie d'eau, de conflits aussi, et ils sont touchés par ces problèmes-là.